Hello, hello la Team FNAF, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, ça va être trop bien. On va pouvoir tester une sorte de FNAF Security Breach 2. J'allais dire ruine par habitude parce qu'on a fait l'aventure il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, ouais, c'est une sorte de fan game qui reprend clairement l'environnement, l'ambiance, un peu les codes de FNAF Security Breach. Donc, c'est un peu comme si on avait une suite en fait de Security Breach. Donc, voilà, on va jouer à un fan game FNAF Security Breach 2. C'est parti, on va tester ça. Let's go, revoir les animatroniques. Ça m'avait manqué. On y va. Ok, ça commence directement, on a un téléphone, Mark, Mike, Hernandez, je vais y arriver, Mike, Hernandez, et j'ai un objectif, go to security office et utilise les caméras pour trouver l'enfant. Ok, il y a un enfant perdu, et moi mon but c'est d'atteindre le bureau pour utiliser les caméras à le trouver. Ok, très bien. On va voir, il n'y a pas de sous-titres, donc c'est un peu compliqué de comprendre ce que me dit Mike, mais c'est cool, on a une petite introduction, et on est de retour surtout dans la Pizzaplex, mesdames, messieurs, et cette fois-ci, non pas en tant qu'enfant, mais en tant qu'agent de sécurité à mon avis, je pense, et je dois trouver un enfant, peut-être... Cassie, qui sait, en vrai. Ok, ça commence comme ça. Oh là là, quel plaisir de revenir dans la Pizzaplex de Security Breach. Franchement, c'est un banger et on est vraiment dans l'ambiance de FNAF avec, bah, comme vous le voyez ici, des vidéos avec Freddy, tout ça. On a Monty Gator, tout simplement, qui est là aussi. Les petites affiches, c'est stylé. En vrai, c'est plutôt stylé. Donc, objectif, trouver le bureau. Oh. C'est ça le bureau? Non, pas déjà, ce serait trop simple quand même. Ce serait beaucoup trop simple. Quoique, what? Attends, je suis où là? C'est la caméra ou bien what? Je me suis téléporté, je sais pas comment, je me suis téléporté. Oh! C'est Chica. Chica? C'est toi, Chica? Oh! Oui! Oui, oui, c'est Chica, oui, oui, c'est bien elle. Elle m'a mis trop peur. Qu'est-ce qu'elle faisait là? J'ai pas compris. J'ai appuyé sur un bouton, je me suis téléporté. Ensuite, j'ai entendu Chica et je me suis fait choper. Il s'est passé beaucoup trop de choses là en l'espace d'une minute. Je dois recommencer parce que là, franchement, c'est trop là. C'est trop pour commencer. Bon, on va repartir par là, hein, cette fois-ci. Parce qu'en vrai, c'était peut-être un piège. C'était peut-être un piège de Chica. Là, on a Decker là-bas. Decker, c'est garderie, je crois. Ouais, je pense que c'est garderie. On va aller voir à Decker. On va aller voir s'il n'y a pas justement Moondrop ou Sundrop peut-être. Il se cacherait là-bas. Freddy Korn. Rien dans les balles, hein, please. Parce que maintenant que j'ai eu une Chica qui... D'ailleurs, je l'ai même pas vu arriver, hein. Oh! C'est quoi? Une raquette? C'est vrai que c'est une clé au début, mais c'est une raquette. Très bien. Je ne peux pas la récupérer. Et si je vais ici, on a accès à un nouvel endroit. On est vraiment là dans l'endroit. Si tu veux manger une pizza, tu vas venir clairement ici. Car c'est là qu'on fait les pizzas, mais il n'y a personne. Donc tant pis, moi qui voulais me faire une petite pizza 4 magie, bah c'est un peu mort. Donc on va s'en aller, hein. On va essayer de trouver plutôt le bureau de sécurité pour aider l'enfant perdu. Je sais toujours pas qui c'est d'ailleurs. Peut-être que c'est de nouveau Grégory ou peut-être pas. Soir. Sur ma lampe, il y a quelqu'un par ici? Freddy? Roxy? Chica peut-être? Non? Ok, c'est bon, il y a personne parce qu'on voit des petites caméras là. Peut-être que je peux voir les animatroniques d'ailleurs d'ici. Parce que là, ça bouge pas mal, hein, sur cet écran-là, bizarrement. Ok, rien ici, rien d'intéressant. Les boutons, encore une fois, ok, ça permet de fermer les portes. Donc si jamais je vois un animatronique arriver, je ferme les portes direct pour éviter de me faire choper. Et on va continuer par là-bas, là, dans cet endroit un peu lugubre. Oh oui, oh là là, comment ça pue! Le couloir sombre comme ça, là! Ça pue de fou, frère! Attends, il y a quoi ici? Un grand espace vide? Bizarrement, je pense que cet endroit ne servira à rien. À mon avis, comme le jeu est en alpha, hein, c'est vrai que je voulais le préciser, il y a pas mal d'endroits un peu vides comme cet endroit-là. Il faut pas prêter attention, voilà, en vrai, il y a pas grand-chose à faire là-bas. Et continuer, du coup, d'avancer, de progresser. Pour arriver au fond du couloir, il y a un cul-de-sac. Très bien. Bon, retour en arrière. On revient au niveau de la Pizzaplex. Là, j'ai exploré un peu les endroits inutiles du jeu. Mais il fallait bien que je regarde. Tu vois, le but, c'est quand même de trouver le bureau. C'est juste que je me suis un peu perdu. Voilà, donc utilité de venir ici, zéro. Mais on est là pour découvrir le jeu aussi. Même si on finit par se perdre. Après, attendez, est-ce que je suis allé là-bas ou pas? Parce qu'il y a une petite lumière en plus devant là. Comme si on pouvait ouvrir. Non, on peut pas, c'est fermé. Donc là, je suis revenu, hein, comme vous avez pu le voir. Là, je reviens sur mes pas. Et je reviens au niveau de... Oh, attends, je suis venu ici ou pas? Oh, non, ok, ça, c'est vraiment le centre du jeu. Centre du jeu, l'endroit d'anniversaire, tout ça, tout ça. Ok, mais ça ne m'aide toujours pas, hein, pour ce qui est du bureau de sécurité. Si ça tombe, c'est vraiment l'endroit dans lequel je suis allé au tout début du jeu, hein. En vrai, j'ai utilisé la caméra, sauf que je me suis fait choper. Je vais peut-être essayer de retourner, non pas ici, mais au niveau du petit bureau qu'il y avait au début. Si c'est vraiment un bureau, du coup. Oh! Wow! C'est là, elle était là, Chica. Wow! Ok, Chica, tranquille. Au secours, comment je fais? Comment je fais pour pouvoir échapper à Chica Death là? Je sais pas. Attends. Peut-être qu'à un moment donné, je vais réussir à me planquer. Si je vais par là-bas, je me tire. C'est bon? Oh, dites-moi que j'ai réussi à me. Mais c'était là, tu vois. J'avais été téléporté là, je crois, dans le Freddy Fazbear. C'est bon. Chica n'a pas ouvert la porte, donc c'est ok. Je pense que pour l'instant, je suis tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici. Je vais faire un petit check à Freddy. Ça va, mon Freddy? Tu ne bouges pas, bizarrement. J'aurais bien aimé pouvoir rentrer à l'intérieur de Freddy comme dans le vrai jeu, histoire d'être un peu plus protégé. Allez, on va voir là-bas, là, parce que c'est vrai que je devais aller dans l'endroit que je voulais retourner, là. Mais ici, je sais pas si, au final, il y a pas un petit truc pour moi, justement. On a du savon, super. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est qui, ça, là-bas? Il y a clairement un animatronix au bout du couloir. On swear? Roxy?
Oh, elle avance. What? Mais attends, elle trace. Elle trace de fou. Peut-être que c'est pour m'indiquer un chemin. Attends, on va voir. On va la suivre. Je pense que je vais regretter, hein, clairement, de suivre ses pas. Mais peut-être qu'elle est là pour nous aider. Elle a disparu. What the fuck? C'est quoi ce délire? J'ai peur, là. Je sais pas ce qui va m'arriver. En plus, j'ai l'impression que je suis vraiment maintenant dans un autre endroit de la Pizza Plex, là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. La porte était fermée, là, tout à l'heure. Eh ben, je l'ai ouvert. Donc, comme quoi, tu vois, j'ai bien fait quand même de venir fouiller. Parce qu'on a réussi à avoir l'accès à l'autre côté de cet endroit-là. Bon, maintenant que j'ai bien exploré, voilà, maintenant que j'ai fait un peu l'urbex, t'as vu, tu connais, et ben on va pouvoir enfin retourner à l'endroit de départ et peut-être éventuellement... éventuellement utiliser les caméras pour trouver l'enfant perdu. Sauf que là, c'est moi qui ai pas à y perdre. Allez, attends, on va passer par là. Voilà. Chica, 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 chica. Elle fouille, hein. Comme ça qu'elle a réussi à m'avoir. D'ailleurs, c'est ouvert là-bas. Je savais même pas qu'on pouvait aller par là-bas. Attends, on va tenter un truc. On va juste voir ici. Hop. Ouais, c'est un endroit peut-être pour se planquer. Attends, je vais rester là le temps que Chica, en fait, retourne vers là-bas. Comme ça, après, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire, éventuellement. Elle est où? Chica? Elle est là. Elle revient. Mais elle est pas en mode chasse. Elle me poursuit pas, là. Encore Chica! J'ai l'impression qu'elle traîne! Elle fait exprès! Elle reste dans cet endroit-là, dans cette zone! Elle peut pas faire ça, logiquement. Elle doit se barrer, à un moment donné. S'il y a personne ici. Attends, je vais fermer. Ok? Ok, je ferme. Allez, let's go. On appuie là-dessus. Ça fait rien. C'est juste un bug depuis le début. C'était juste un bug. On m'avait téléporté pour rien au début, mais non. Du coup, c'est pas là que je dois aller, sérieusement. Ah ouais, mes frères. Comment je suis censé faire alors? Je vais tenter un bail parce que c'est quand les portes étaient ouvertes que j'avais réussi à faire ça. Mais non, ça marche pas. Ok, c'est pas là que je dois aller. Au moins, on sait que cet endroit, c'est finito. Ça sert à rien que je vienne ici. On va continuer de fouiller un peu alors. Oh non, j'ai Chica, j'essaie de chercher où était le bureau et j'ai Chica qui me poursuit. Oh, c'est bon, j'ai réussi à la semer. Je suis perdu de fou en vrai, j'ai fouillé vraiment partout et je trouve vraiment pas en fait l'endroit dans lequel je dois aller pour trouver le bureau. Ça me rend fou, je ne trouve pas. Oh, j'avais pas vu les amis, mais regardez, il est vivant en fait. Freddy, il bouge. J'avais pas fait attention qu'il bougeait. Je pensais vraiment qu'il bougeait pas. Par contre, j'ai été me renseigner et j'ai l'impression en fait que dans cette version, qui est la seule version qu'on a actuellement... Il n'y a pas forcément moyen de déjà terminer en fait le jeu, tu vois, l'objectif là qu'on m'a donné, d'utiliser la Security Office, donc le bureau, et trouver avec les caméras l'enfant, et ben c'est mort en fait, je n'arrive pas, on peut pas faire ça, je crois que c'est pas possible pour l'instant, la version, elle est pas assez terminée pour déjà pouvoir réaliser cet objectif, qui est un peu l'objectif principal de ce jeu. Normalement, si c'est pas de bêtises, parce que j'ai même été voir la vidéo du développeur, et lui-même, il n'y a pas de fin, tu vois, dans sa vidéo, donc je sais pas trop. Est-ce que le but c'est vraiment de découvrir un peu à quoi ressemblera le jeu dans sa version définitive en termes d'ambiance, tout ça, avec les animatronics. Il y a Chica, on a vu qu'il y avait Roxy aussi également, enfin je crois que c'est Roxy, le Freddy qui est là, et au final on a peut-être pas forcément de vrai objectif pour l'instant, mais si c'est ça, ouais, c'est grave stylé, mais par contre un peu dommage parce que j'aurais vraiment vraiment pour le coup kiffé pouvoir déjà faire une mission et y réussir. Mais moi, bon, je pense que je vais aller me faire boire pour l'instant. Ouais, si je vais dehors, je peux pas aller dehors, je peux juste me faire coucher par Chica. Ok, attends, on va faire le tour et je vais aller à l'intérieur, je vais fermer la porte, comme ça je serai protégé de Chica. Attention, hop, je ferme ici. Tu vois, moi je pensais vraiment que c'est ça. Et au début, j'ai eu un énorme bug. Ça m'a téléporté. Alors que j'avais juste appuyé sur le bouton ici, tu vois. Voilà, là, tu vois, il y a Chica. Mais c'est bon, je suis protégé. Par contre, ouais, il y avait quand même une autre salle avec des écrans que j'avais vu. Donc je peux peut-être éventuellement retourner là-bas. Hop, et voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, voilà, c'était cette salle-là. Donc tu vois, ça tombe. Le bureau à la base, c'est ça. Hein. On a l'écran ici. On a la caméra, on voit Chica qui est en train de se balader. Le plan, on a déjà été aussi également. C'est l'endroit avec toutes les tables, etc. Donc là, je pense où tu fais les fêtes d'anniversaire. L'accueil avec les portes qui s'ouvre, qui se referme. Et là, on a, je pense, la POV de Chica pour le coup. Elle doit avoir une sorte de caméra intégrée et on voit un peu son parcours, ce qu'elle est en train de faire. Là, c'est brouillé et du coup, voilà, bah, j'ai pas de choses à faire. Hop, je peux juste fermer les portes comme à l'endroit de départ. Mais malheureusement, pas de traces d'enfant ici, j'ai envie de te dire. Et non, il est trop tôt pour ça. Donc ouais, je pense que c'était vraiment pour découvrir un peu ce que le jeu a de beau à proposer. Ça reste un fan game, hein, bien évidemment. Mais je pense que dans sa version définitive, ça pourrait vraiment être super sympa. Parce que j'ai pas encore vu un seul fan game reprenant vraiment cette ambiance, cet environnement un peu de Security Breach, qui a une patte visuelle bien à lui. Et là, c'est vrai qu'on y est plutôt pas mal. Bon, pas dans ce genre d'endroit extrêmement vide. Mais par contre, pour ce qui est de toutes ces pièces-là, là, c'est vrai que ça fait vraiment Security Breach, les couleurs, les affiches. Cette ambiance un peu rockstar, tout ça. Enfin, non, franchement, c'est plutôt stylé. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'on ne peut pas terminer pour l'instant cette petite démo parce que la mission, bah, n'est pas faisable. Voilà, vous avez bien vu que j'ai tout fouillé et malheureusement, on n'a rien pu faire. Donc, j'ai plus qu'à aller me donner la mort près de Chica, même la statue. Oh, elle est où? Oh, elle était là, je sais pas où est-ce qu'elle a pop. Mais là, Chica,
Ouais, même le streamer de Chica, tu vois, il est vraiment stylé. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir une version un peu plus complète de ce fan game parce que c'est vraiment lourd de fou, quoi. Et bah écoutez, apparemment, quand on se prend le streamer, on n'a pas le choix que de relancer le jeu. Au début, j'ai relancé le jeu la première fois que je suis mort et je pensais que c'était un bug. Mais non, tu ne peux pas continuer. Ok, très bien. Bon, bah petit fan game, je pense qu'il peut être très intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment pour le plaisir d'être dans ce mood de Security Breach. Mais un peu dommage pour ce qui est du gameplay. Il manque juste vraiment au moins un tout petit objectif qui est faisable. Parce que sinon, bah Chica, le streamer très réaliste, le fait qu'elle te poursuit, etc. On a d'autres animatroniques, il y a Freddy qui est là. On a eu également la Roxy. Elle non plus, je sais pas trop ce qu'elle a fait parce qu'elle a disparu. Les caméras où tu peux voir un petit peu ce qui se passe. Mais malheureusement, ouais, tu ne peux pas encore sauver le gamin qui est perdu. Donc je pense qu'il faut suivre ce fan game et attendre un petit peu. En tout cas, ça me fait grave plaisir de redécouvrir un petit peu du FNAF et surtout bah, sur une ambiance Security Breach. Donc est-ce que ce sera le Security Breach 2 un jour quand ça sortira en version complète? Et bah c'est ce qu'on verra les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère vous avoir régalé un petit peu pour ceux qui voulaient un peu de FNAF là. Tu vois, c'est vrai que depuis notre aventure sur Ruin, on n'a pas pu vraiment refaire du FNAF. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir de refaire un petit jeu FNAF. Même si celui-là c'était en ambiance chill de chez chill. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne depuis peu et que c'est toujours pas fait, activez la cloche, bombardez la barre des likes et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, de prochaine aventure. C'est votre truc comme d'hab. Ciao ciao.